Good morning, allez, Daniel, ce sera aujourd'hui le Lunishmat Avram Mordechai, Ben Yitzhak Befani, Dvorah Bat Esther, Sol Vanish Lebet Delmar, ainsi que l'Irfouat Amram Ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine vidéo de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions le Sechad Yavamot Perik Zain Mishnah Alef. Alamana le Kohen Gadol, Grosha Bachalutza le Kohen Idiot, Ichnisa lo Avde Milog, Ve Avde Tson Barzel, Avde Milog, Lo Yochlu Bitouma. Avde Tson Barzel, Yochelu. Ve Luen Avde Milog, Im Metu Metula, Ve Im Hotiru Hotirula. Afalpi, Shehu Chayav Bimzonotam, Arei Elu Lo Yochlu Bituma. Veluen Avde Tzon Barzel, Im Metu Metulo, Vim Otiru Otirulo, Vilvu Chayav Bachariotan, Arei Elu Yochlu Batuma. On continue à découvrir les halachot relatives au Kohanim. On a dit que pendant Dan Yevamot, puisqu'on a commencé à parler des interdits des Kohanim de se marier avec n'importe qui, alors, du coup, toutes les plein de halachot relatives aux lois des Kohanim, on va les retrouver maintenant dans Yevamot, essentiellement sur les droits de consommer la Trouma. Vous savez que quand on reçoit des récoltes, on doit donner un 50e au Kohanim à manger. Ça s'appelle la Trouma. La Trouma, elle est interdite, elle n'a pas le droit d'être consommée par des Bnei Israël classiques. Et un des sujets qu'on va maintenant découvrir dans les prochaines Mishnayot va être de savoir dans quelles conditions une femme de Cohen, ou une femme qui était Cohen, qui s'est mariée avec un Israël, continue ou cesse de manger la Trouma. D'accord? C'est le sujet général. Là, on va pas s'intéresser à la femme, on va s'intéresser plutôt à ses esclaves. Aux esclaves de la femme. Alors là, il va falloir expliquer deux choses. Avant de commencer à lire la Mishnah, c'est-à-dire de manière générale, l'idée, je vous ai déjà dit plein de fois, c'est fréquent dans le Mishnayot, l'ordre est un peu inversé. Si on aurait dû commencer le cours, en fait, avec la Mishnah Bet, après seulement revenir étudier la Mishnah Lef, ça aurait été beaucoup plus simple et logique. Il y a des raisons pourquoi la Mishnah s'est présentée comme ça, là n'est pas le problème. Donc je vais déjà vous introduire d'abord la notion qui est écrite dans la Mishnah Bet. Tout d'abord, « Ve Kohen ki ikne nefesh kinan kespo hu yochal belachmo » C'est écrit dans la Torah, qu'un Kohen qui acquerra un bien kinyan kespo, « Ve Kohen ki ikne kinyan nefesh kinan kespo » s'il achètera un humain qui devient son bien, ça lui appartient, « hu yochal belachmo » ce bien sera en droit de consommer son pain. Il aura le droit de manger la trouma, en l'occurrence. Soit, cas très simple, le cas le plus évident tout d'abord, c'est un Kohen qui va acheter un esclave, et son esclave aura le droit de manger la trouma. Pas s'il achète un esclave Israël, parce qu'un esclave Israël, c'est une définition très, très spéciale, c'est quoi qu'il acquiert exactement, c'est écrit dans le Pesouk, Toshav Vesachir Loyo Chalbo, je crois. Mais si c'est s'il achète un Eved Knaani, par exemple, il va acheter un vrai esclave, Goy, qui va devenir juif en l'achetant, il va prendre un certain statut de juif, l'Eved Knaani, qui va être imposé des mitzvot de la Torah, il aura même le droit de manger la Trouma. Deuxième cas de figure beaucoup plus connu, même ce qui peut un peu choquer, c'est lorsqu'il achète une femme pour se marier avec elle, parce que le mari achète la femme, ça devient sa femme, ça devient un bien à lui. Et dans ce cas-là, sa femme mange la Trouma. Donc un Kohen qui se marie avec une femme Israël, sa femme aura le droit de manger la trouma. On apprendra ensuite plus tard qu'est-ce qui se passe s'il la divorce et qu'ils ont des enfants. Là n'est pas notre problème pour le moment. Ça, c'est s'il achète une femme. Donc en fait, on a le Kohen qui achète un esclave ou le Kohen qui se marie avec une femme. Maintenant, on va s'intéresser au Kohen qui se marie avec une femme qui a elle-même des esclaves. Est-ce que les esclaves qu'elle va avoir auront le droit de manger la trouma? Et la halakha qu'on va prendre dans la Mishnah Bet va être que oui, effectivement, soit le Kohen se marie avec une femme, cette femme a des esclaves, tous les esclaves de la femme vont être en droit de manger la trouma. Maintenant, pour deux raisons. Une raison plus évidente, tout d'abord, c'est que à partir du moment où je me marie avec une femme, qu'elle a des esclaves, alors il est fort probable que ces esclaves vont devenir aussi mes esclaves. Mais c'est pas forcé. Il y a des exceptions à la règle, on en évoquera à l'occasion. Et malgré tout, même si les esclaves que, quand je vais acheter ma femme, quand je vais acquérir ma femme, et que ma femme aura elle-même des esclaves qui ne vont pas devenir forcément mes esclaves, ils seront en droit de manger parce qu'on déduit ça d'un pasouk, que le bien du bien, c'est-à-dire l'acquisition de l'acquisition, ouais, le bien qui appartient à un bien, en l'occurrence l'esclave qui appartient à la femme, elle a le droit, et il a le droit de manger, il a en droit aussi de manger la trouma. Étant donné que ma femme, c'est mon bien, qui a le droit de manger la trouma, si mon bien, il acquiert un bien, le deuxième bien aussi, il a le droit de manger la trouma, même si c'est pas par ma force,
mais c'est par la force de mon bien, de la chose que j'ai acquis. Ça peut se retrouver avec un esclave, des cas particuliers, on ne va pas rentrer dedans, sinon ça va trop allonger. D'abord, je présente la généralité, peut-être que dans la prochaine Mishnah, on évoquera un peu plus précisément le cas. Soit, par exemple, j'achète un esclave, qui a lui-même un esclave, de manière à ce que l'esclave, que son esclave n'est pas le mien. Ça peut exister, des configurations. Eh bien, il sera en droit de manger son esclave, parce que l'esclave de l'esclave, parce que le bien du bien, et le bien du bien du Cohen, a un statut aussi, un droit de le consommer comme le Cohen. D'accord? C'est l'idée générale. Une fois qu'on a compris tout ça, on arrive enfin à notre Mishnah, où cette fois-ci, il y a un court-circuit. J'achète une femme, mais que cette femme, le Cohen, il acquiert une femme, il se marie avec une femme, il acquiert la femme, et que la femme, elle a des biens des esclaves, mais qu'il y a un court-circuit, que la femme elle-même ne peut pas consommer la Trouma. Pourquoi elle ne peut pas consommer la Trouma? Parce que c'est une femme, en fait, qui est interdite au Cohen, et qu'elle est devenue Halala. Là, la Mishnah, elle va me dire, alors ça dépend. Les biens, les esclaves de la femme que le mari n'aura pas de droit, il a juste un droit d'exploiter, de tirer des profits, mais sans que ça devienne son bien directement, alors, donc l'esclave n'est pas le bien du Cohen, c'est le bien de la femme. Et la femme, elle n'est pas en droit de consommer, parce que c'est une halala, elle s'est mariée avec un mariage interdit avec le Cohen. Donc, l'esclave, il n'aura pas le droit, il n'aura pas le droit de manger la tourma. À la différence du cas où il va se marier avec la femme. Et la femme, elle va avoir des esclaves qui vont devenir les biens du mari. On va expliquer après pourquoi il y en a qui deviennent comme ça, pourquoi il y en a qui ne deviennent pas comme ça. Tout de suite, on va l'expliquer. Mais si l'esclave est devenu le bien du mari, alors le mari, il pourra donner la trauma à l'esclave, parce que l'esclave, c'est devenu l'esclave du mari. Mais si l'esclave ne devient pas l'esclave du mari, le mari, il a juste un droit d'exploiter, mais sans que ça devienne son bien, sa propriété, et bien dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de manger, parce qu'il reste la propriété de la femme, que la femme elle-même, elle n'a pas le droit de manger. C'est, en deux mots, ou beaucoup plus que deux mots même, c'est tout l'essentiel de notre Mishnah. Si vous voulez maintenant qu'on habille ça avec un peu plus de mots, alors on va dire qu'il y a deux sortes d'esclaves. Il y a les esclaves qu'on appelle les Avde Milog, et il y a d'autres esclaves qu'on va appeler des Avde Tson Barzel. Avant d'expliquer la terminologie, je vais d'abord expliquer le principe. Lorsque je me marie avec une femme, alors elle va faire entrer une Nedunia dans la maison, elle a des biens. Ces biens, elle peut écrire dans la Ktouva que c'est les siens, mais qu'elle les fait rentrer pour le bien-être de nous deux. À partir du moment où on le fait ça, ces biens vont s'appeler ce qu'on appelle des Nirsé Tson Barzel. Le principe, il est que on va les évaluer au moment du mariage. Elle me fait rentrer un esclave, très bien. L'esclave, il coûte 100 000 shekels, euros, patates, ce que vous voulez. L'esclave, il va coûter 100 000. On écrit qu'elle a fait rentrer un esclave qui coûte 100 000. Dès lors, l'esclave, il devient le mien, je l'utilise. Le jour où je la divorce, ou pire, qu'on quitte le monde, et qu'on doit rendre les choses à la femme, alors j'ai pas un devoir de lui rendre l'esclave, j'ai un devoir de lui rendre 100 000. Si l'esclave est encore vivant, je dois lui donner l'esclave. Si l'esclave est mort, je vais lui donner 100 000 à la place. Ça s'appelle Nirsei Tson Barzel. Ça dépend de ce qu'on décide. Pendant la Ktouba de Vance Marie, sous quel statut on va les faire entrer. Si on les fait entrer en statut de Tson Barzel, alors c'est ce que ça signifie que maintenant ça devient le mien, que je lui dois à la place sa contre-valeur. Tant qu'il est là, je lui donne à lui. S'il n'est pas complètement là, parce qu'il a un peu perdu sa valeur, je complète ce qui manque. Et c'est même pire que ça, s'il augmente, elle devra me rendre ce qu'il y a en plus. Aussi. Deuxième cas de figure, par contre, c'est que ce qu'elle me fait entrer, elle ne me fait pas entrer en tant que Tson Barzel, elle me fait entrer en tant que Nirsé Milog. J'en parle dans la terminologie, ça va trop alourdir. Elle les fait rentrer en tant que Nirsé Milog, c'est-à-dire qu'en fait, les esclaves qu'elle fait rentrer, ça reste les siens. J'ai un droit de les utiliser, de les exploiter, mais ils ne deviennent pas ma propriété. Puisqu'ils ne sont pas ma propriété, j'ai le droit, certes, de les utiliser pour travailler, mais autant que si je loue un esclave de mon voisin. J'ai pour la journée le droit de l'utiliser parce que je l'ai loué, mais ça ne devient pas ma propriété, j'ai pas le droit de lui donner à manger de la trauma parce que c'est pas le bien du Cohen. Bah ouais, bah même principe, avec maintenant l'esclave, que la femme fait entrer en guise de, sous le statut de Nirsé Milog, que ça ne devient pas le bien du mari. Là, dans un cas pareil, alors cet esclave, il restera le bien de la femme, or la femme n'a pas le droit de manger, donc l'esclave n'aura pas le droit de manger la trauma. C'est le principe. Ok? Les mots, Bezant Hachem, peut-être pour le prochain cours, parce que sinon on va faire un cours de 30 minutes, c'est dommage quoi. Et maintenant on commence à faire entrer tout ça dans les mots, vous allez voir, c'est pas compliqué, vous avez compris. Donc si je récapitule en fait, l'esclave de la femme, quand il y a un court-circuit que la femme, elle peut pas elle-même manger la trauma,
On s'intéresse de savoir, est-ce que l'esclave que la femme fait rentrer dans la Nédounia quand elle se marie, est-ce que ça devient le bien du mari ou ça reste le bien de la femme? Si ça reste le bien de la femme, l'esclave ne pourra pas manger la Trouma. Si ça devient le bien du mari, il pourra manger la Trouma. Et la Mishnah va nous expliquer tout ça dans les détails. À la Manal et Kohen Gadol, une veuve qui s'est mariée à un Kohen Gadol, donc ils n'avaient pas le droit de se marier parce que le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Grusha va chalotzer le Kohen Ediot, ou bien une femme divorcée ou qui a fait la Khalitsa, qui se marie avec un Kohen Ediot. Donc, que la femme elle devient halala. Elle devient profanée, parce qu'elle n'avait pas le droit de se marier avec lui, et elle, donc elle ne peut plus faire manger la Trouma. Alors, la Mishnah m'enseigne. Ichnissa lo avde milog va avde tson barzel. Maintenant, quand elle s'est mariée, elle a fait entrer dans la maison pour le couple, elle a fait entrer deux sortes d'esclaves, sous deux statuts. Un qui s'appelle avde milog, les avde milog, que le mari est en droit d'exploiter juste les fruits, mais sans que le capital devienne le sien. Les avde tson barzel ou des esclaves qu'elle a fait entrer en tant que tson barzel, l'autre statut que ça devient mamash, la propriété du mari, qu'il s'engage de payer la contre-valeur lorsqu'il la divorcera. Alors, ça marche comme ça. Avde Milog, les esclaves de Milog, de la sorte du statut de Avde Milog, que le mari est juste en droit de consommer les fruits, mais sans que le capital devienne le sien. Lo yochlu bitrouma. Ils n'auront pas le droit de manger la trouma. Tandis que Avde Tson Barzel et Avadim, les autres esclaves qui sont Tson Barzel, qui ont l'autre statut que ça devient mamash, le mari va maintenant s'engager à payer la contrepartie lorsqu'il la divorcera. Eh bien, yochelou, ils ont le droit de manger. Et la Mishnah ne m'expliquait plus dans les détails. Veloen avdemilog, tels sont les avdemilog. Qu'est-ce que c'est des avdemilog? C'est le statut, juridique, c'est que immetou, s'il meurt, metou là. S'il meurt, c'est il meurt pour la femme, c'est elle qui perd. Le mari, ils appartiennent à la femme, et le mari a le droit de les exploiter. S'il meurt accidentellement, ce que vous voulez, le mari ne doit rien à la femme. Mais tout, là, ils sont morts pour elle, c'est pour elle la perte. Mais Motiro, ils ont augmenté, il a pris beaucoup plus de valeur. Au tiro là, c'est elle aussi qui en tire profit, parce que c'est elle. Et dans ce cas-là, Afal Pichou, Khayav Bimzontan, attention, lorsque le mari est marié à la femme et qu'elle fait entrer des milogues, le mari est obligé de leur donner à manger. Pourquoi il leur donne à manger? Parce que c'est lui qui a le droit de les exploiter. Malgré tout, Are Elou, Loyochelou, Bitourma, ils n'auront pas le droit de manger malgré tout. Parce que concrètement, il reste le bien, la propriété de la femme, et la femme n'est pas en droit de manger la trouma. Ve'eluen of de Tson Barzel. Voici maintenant quels sont les Tson Barzel, l'autre sorte, l'autre statut juridique des esclaves qu'on peut rentrer, qu'on va appeler des Tson Barzel. Que immetu metu lo. Si il meurt pour lui, c'est lui qui encaisse la perte. Il les a achetés, il coûtait 100 000. Si après il meurt, il devra payer 100 000 de sa poche le jour du divorce, parce qu'il lui doit la contre-valeur. Bim au tiro, ils sont augmentés au tiro, c'est lui qui en tire profit. Le jour du divorce, si ça coûte 150 000, il lui demandera 50 000 en retour aussi, ou bien gardera la contre-valeur de 50 000. Dans ce cas-là, Oil vehu chayav bacharotan, puisque dans un cas pareil, il est engagé, il a le devoir de les garantir, de payer leur prix plein, alors, are elu yochelu bitruma, alors ça signifie que les esclaves, ils deviennent comme les siens, comme si j'ai acheté un esclave que je n'ai pas encore payé, mais c'est le mien. Dans ce cas-là, il aura le droit de manger la trouma, si le Cohen. Et voilà. Ok? Et Bezant Hachem, je pense qu'au prochain cours, ça ira beaucoup plus vite pour la Mishnah. Et dans ce cas-là, on expliquera mieux c'est quoi les mots de Nirse Milog et Nirse Tson Barzel. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.